Salut tout le monde, nous sommes en ville avec mon chéri et avec papy. Nous sommes en train d'acheter, devinez quoi, des glaces australiennes. Moi j'ai pris saveur melon, papy il a pris saveur tropicale. Et mon chéri t'as pris quoi toi? Crème brochée. T'as pris crème brochée? Ouais. Bon on va goûter hein. Bah oui hein. Puis j'ai acheté quelques vêtements au Sport Direct. Et tout le monde. Alors là, nous sommes. Paris. Je sais même pas c'est quoi. Ouais, il dit Paris, mon papy, mais c'est pas Paris. C'est derrière. Oui, parce qu'en fait, ça ressemble un peu à Paris. Mais non, derrière. De quoi c'est écrit derrière? Ah, ok. On va aller chez Camion, voilà. Donc il y a mon chéri et il y a papy. Mon chéri qui se mouche. C'est super glam. Et moi. Alors, t'as terminé ta glace déjà? Ouais. En fait, ils ont vidé une bouteille d'orange. Ils ont mis la crème. Ouais. Et il fait chaud. Je sais pas combien de degrés il fait, mais. 25. 35? Non. 25. Ah, 25. Voilà. Du coup là on se dirige comme je vous ai dit vers Camuen à Bruxelles, près de la rue Neuve. Alors là-bas on voit l'UGC, c'est le cinéma. Ici c'est un casino. Et là-bas nous avons le Quick. Là-bas nous avons la police. Bon bah c'est par là-bas, nous arrivons dans le quartier un peu plus calme, hein. Asiatique. Pardon, nous arrivons petit à petit chez Camion. Je suis désolée si vous entendez du vent, il y a beaucoup de vent. C'est parce que les nègres. Spécialité de Wenzhou, le machin qui donne pas du tout envie. Oui, spécialité de Wenzhou, c'est vrai qu'on est passé devant et ça donnait pas du tout envie quoi. C'est suspense qui vendent. Ouais mais c'est suspense qui vendent. Ouais. C'est rouge papy, hein. Ne te fais pas écraser. Ouais, c'est une grosse perte pour l'humanité. Quartier Asiat. Voilà. Bon, là on est en train de regarder des feuilles de nori pour faire des sushis. J'ai pris ceux-là, mais je sais pas, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Où ça? Ah, ici en dessous? Qu'est-ce qu'on va trouver de beau? Ça a l'air bon ça. Ah, oh, c'est au sésame, une sauce ouais. Au sésame. Au sésame grillé. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de prix. Oui. Sésame. Ça aussi c'est sésame ouais. Ah oui c'est cher. 4,68€. Alors il y a papy, il a trouvé une blague, vas-y fais-la nous. T'es fou toi. Ah je me suis pris un comme ça les amis, je sais pas si c'est bon, mais ça me donne envie pour tester donc on va voir. Je vais passer à la télé, t'as vu. Et là il y a les épices. Ouais, je vais passer à la télé. Tu vas passer à la télé? Non, tu vas passer sur YouTube, c'est pas encore la télé. C'est pas grave, Chorus. Ouais, Chorus. Alors, on a déjà pris quelques trucs. Là, j'ai pris mon truc curry, des feuilles nori pour faire des sushis et des sushis, des feuilles d'algues grillées. Là, on est en train de regarder un petit peu les épices. Moi, je regarde un petit peu tout. Au litchi, c'est quoi? Une grille burn. Ah, Je fais les petits personnages. Regarde ça. Ah, c'est quoi? C'est du jelly drink. Ah, ouais. Ça te donne envie, hein? Ouais. Les mini Oreo. Oh! Ce que j'ai Oreo fait. Double crème. Ah, bah il y a ça sur Candy San, non? Ouais, je crois. C'est possible, ouais. Oh, des Pocky. Ah, oui, il y a des Pocky. Ah, mais ceux-là, c'est au. Cassis, non, je crois. Regarde! Ah oui. Allez, petite folie, on va prendre quelques trucs, on va les goûter, on fera une vidéo. Je disais qu'on va faire une nouvelle dégustation. Voilà. Voilà, donc on va prendre des petits trucs à tester. On va prendre ça. Crignoté. Petit gâteau. Oui. Gâteau à la pâte de soja. Ah ouais. Un gâteau Eiffel dessus. C'est quoi ça? C'est des nouilles, non? Non. Non, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des nouilles. Ça doit être écrit ici. Ah, c'est du café au thé. Café au thé. Ouais, c'est du café au thé. Du café au lait, pardon. Ah non. Milk tea coffee. Ah, et... en fait, c'est les trois. T'as du regarde ici aussi. Du café, en fait. D'accord. Ouais, avec un goût un peu sucré, à mon avis. Hein. C'est un petit... tu vois, genre un drink... je dirais que c'est dur. Hein. C'est dur. Ouais. Montre. Tombé, dit. À la Chabat, ah. Paquet, recevez un appareil dentaire gratuitement. C'est vrai, hein, je vois pas ce que c'est non plus. Oui, ils ont des casse les dents. De quoi?
Nous, on a les têtes brûlées, eux, ils ont des casses les dents. Tu m'étonnes. Ici, il y a les boissons. Regarde, un coffee, un coffee. Coconut water. Ouais. Moi, oh, j'adore ça, l'eau de noix de coco, c'est trop bon. Ah, cool. Quoi? Oh, sympa. Ouais. Coconut water. Avec du lemon. C'est quoi, ça? Ils ont même des 7-Up Mojito. Un euro tendu de ta planète, quoi. Ça donne envie, n'empêche, quand t'as soif, ça, hein. Ouais, il faut avoir le goût, est-ce que c'est... Ben, je sais pas si c'est bon, j'ai jamais goûté encore. Mon chéri, il est dans l'airco, là. Il prend son pied. On est en train de chercher des boissons, en fait, qu'on va faire... Enfin, qu'on va déguster devant la caméra. T'as trouvé quelque chose? Oh, miam! Regarde comme ça donne envie, ça. Coconut water. Slapis water. Eh, ça, c'est pas japonais? On dirait qu'il y a ça sur Cordyceps, non, je crois. Non, c'est pas japonais, ça. Trouver quelque chose? Oh! C'est peut-être coréen, hein. Je ne sais pas. Putain, ils savent pas faire plus petit ou quoi? À chaque fois, j'ai avec une loupe. Le sucre, lait fermenté dilué, poudre de lait crémé, de l'acide citrique, arôme, polysaccharide, soja, citrate de sodium, édulcorant, sucralose. Goûtez celui-là, moi. Mais... Oh, la canette, elle est... Tu as goûté celui-là? Et toi, vas-y. Moi, je sais pas, je vais toucher un petit peu de tout et je vais voir. Vas-y. Je vais voir ce qu'il touche. Sans faire tomber. Il va toucher et il va te prendre un truc au hasard. Oh, tu risques pas d'aimer ça. C'est au litchi. Oh non, on connaît le litchi quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Allez, faut prendre un truc qui. Bah, vas-y, hein, je te laisse choisir. Oh, regarde, ils ont les grandes bouteilles d'Arizona. Ah ouais. Les rouges, hein. Ah bah regarde, ici, je connais pas du tout. Ah ouais, j'avoue. À la mangue, la mangue, oh miam. Ouh. Et ici, regarde, il y en a plein, quoi. Elle existe, je crois. Attends, regarde, j'ai jamais vu tout ça. Green Tea Zero. Watermelon, ça, je le prends obligé. Ah, pastèque. Pastèque, plutôt. Pastèque, ouais. Ah, purée. Oh, il y en a plein, ici. Oh, ça se dit pas, hein. Moi, je vais le prendre, je crois, c'est à la pastèque, celui-là. C'est quoi ce machin? Jolong Rai. C'est quoi? Une traduction. C'est du Jolong Rai. La boisson, c'est l'offre du mois. Ça n'empêche, attends, n'empêche, c'est bizarre, hein, pour une boisson. Bah, c'est de l'essence. C'est quoi? Un drink. Eh, il y a plein d'Arizona que j'ai jamais vu, quoi. Regarde, un fruit punch. Ah, regarde, allô, il est là. Ah, il serait temps que tu trouves un truc, hein. J'ai rien pris? Non, t'as rien pris. Ah, merde. Je sais pas, moi. Ça, j'ai envie de goûter, moi. Ah bah, prends, il goûte. Franchement, moi, j'ai envie de goûter. Bah, prends ça, il goûte. Ça me donne envie. Montre un petit peu. Attends. Voilà. Moi, j'ai pris ça. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Ça dit qu'il y a de l'eau dedans, du lait. Attends, du lait fermenté, etc. Ça promet. Bon, France, hein, là, je vais acheter des nouilles. Toi, tu vas prendre des nouilles? Ouais. Tu en prends pas là-bas comme moi j'ai pris. Parce que moi j'ai pris ça. Au fruit de mer. Je sais pas. C'est combien? C'est 1,40, dans les 1,45 à 40. Pas des trucs comme ça. Tu veux quel goût? Bah, je sais pas en fait. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les piquantes que t'aimes bien. C'est méga piquantes, ouais. Tu les aimes bien, ceux-là, non? Attends, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un derrière toi, mais en fait, c'est l'affiche. Il est connu, en plus. Ouais, ouais. C'est... Non, moi, j'ai jamais goûté. Franchement, on peut regarder les nouilles, là. Elles donnent envie, ceux-là, quoi. Yum. Moi, je vais prendre un comme ça. Regarde. Celle-là, elle me donne trop envie. Je vais en prendre une. Ouais, je sais, c'est la même marque. Elles sont un peu chères, mais... C'est pas la marque. Laksa. C'est pas une marque en fait, c'est la. Ouais. Ah si, Laksa, Singapour, Laksa. Ouais. Singapour, ok. Bah je vais prendre ça aussi, je vais prendre ça. Regarde, c'est quoi? C'est Beijing Zhejiang Ramen. Ouais, bien sûr. Tu t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris ça. Toi t'as pris ça, c'est quoi? Apparemment c'est du bœuf. Ouais. Avec de la sauce piquante et.
Comment est-ce qu'on appelle ça? Acide, enfin aigre. Sûr, ouais, aigre, ok. Sûr. Ouais. Oh, ça donne envie ça. J'ai déjà goûté, je crois. Ça? Ouais. Et c'est bon? Je me rappelle. Chacharoni. Ouais, bon, ouais, ouais, je vais en prendre pour goûter. Hop. Le champong, c'est bon aussi. Ouais, mais je vais regarder parce qu'ici je vais m'acheter des porridge. Quand j'étais gosse, on avait des packs comme ça gratuits. C'est vrai? Les cartons entiers, on avait. Ça a l'air super épicé, ça. Hein. Et ses parents, ils ont un magasin. J'ai goûté aussi. Ouais, et c'est épicé ou pas? Je pense un petit peu, je me rappelle plus tellement. Ouais. Peut-être le voir. Des nouilles végétariennes. Qu'est-ce qu'il y a? Des nouilles pour végétariens. Des nouilles pour végétariens, c'est ouais. Sympa ça. Veggie ramyun. Ah, c'est sympa. C'est hein. Cool, hein? Ouais. Tu vois? Il en faut pour tout le monde, quoi. Pas de viande, pas de gras. Les packagings de ces nouilles-là, ils sont trop beaux. Si, si, c'est japonais la marque là. T'es sûr? Ouais, ouais. Toi. C'est poulet. Ouais. Peut-être sympa. Ouais. Attends, il y a le packaging, il est trop beau quoi. Ouais. Est-ce que je vais craquer pour prendre des chips? Oh, il y a des nouveaux. Enfin, je les ai jamais vus. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, hein? Ah, ouais, la c'est bizarre, hein, j'avoue. Bon, moi, je crois que je vais m'en prendre un petit peu parce que. Ouais. Moi, je vais me prendre un piquant déjà. Oh, le caddie, il est déjà fou, là. Bah oui. Oui, papy, il achète rien parce que la semaine prochaine, il part en vacances. En une semaine, t'as le temps de... Non. Ouais, ils sont beaux. Waouh. Ta mère, elle aimerait pas, ça? Si, je crois que je vais en prendre. Je suis riche. Oh, c'est trop beau, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis riche. J'ai trop bien d'argent. Mais tu sais combien ça vaut, ça, en Chine? Viens, on dévalise tout. Ici, sur le sac. On a trouvé leur cachette. Ah, tu fais tout tomber. Ils sont beaux, hein? Peut-être l'orange. L'orange, je vais prendre. Oh, tu casses tout. Je casse tout. On est toujours à la recherche de ce qu'on va acheter pour la dégustation de la future vidéo. Il y a papy qui s'excite là. Oh, c'est quoi? Des pop-corn au chocolat. Ah, oh, bon. On a un problème, les amis. Ouais. Le caddie est plein. On a envoyé papy en chercher un deuxième. Il est plein à crackers. Il est plein à crackers. Il est craqué, quoi. Tu connais pas? D'accord. Miam, miam. Cookie cream. Ah, il est cassé. Cookie cream flavor. Et c'est quoi, en fait? À mon avis, en fait, c'est un cornet avec au-dessus de la... Comment s'appelle le machin avec l'œuf, le blanc d'œuf et le sucre? La meringue? La meringue, à mon avis, avec des Oreos. Ah, papy, là, il nous a ramené un nouveau caddie. Voilà. C'est quoi, ça? C'est assez bizarre. Hein. Il y a des chocopailles. Mon chéri, il est en train de trier parce que on a beaucoup trop... J'ai l'habitude, maintenant, de trier. Ouais. Voilà, on a fini. Et là, on va à la caisse. Payé. Voilà. Heureux les amis, on est rentré à la maison et en fait j'ai plus d'eau, franchement je souffre, j'ai trop mal. Dans le tram j'étais en souffrance, les gens ils me regardaient, il n'y a personne qui me laissait la place, les gens ils faisaient asseoir leur enfant de 5-6 ans alors qu'ils ont plein d'énergie et moi j'étais juste en train de mourir. Et voilà, du coup bah, la vidéo dégustation elle sera quand on la fera en ligne. Là j'attends mon papa parce qu'il est parti chercher mon neveu Ali à Marche en Famène, celui que vous voyez souvent sur ma chaîne. Je me suis reposée, donc mon dos ça va un petit peu mieux. Là il y a Mamounette. Et là dans le jardin il y a Doudou. Bonjour. Et Papy. Et ma maman a préparé, comment ça s'appelle encore? Un rata. Un rata. Ratachti. Alors ma maman a préparé un ratachti, donc je vais vous montrer ça. Voilà, regarde. Alors raconte un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors dedans il y a de la viande de bœuf, des carottes. Mais pas les carottes, c'est les carottes avec les fans en fait, sont meilleures. Il y a du thym, du laurier, des oignons, des échalotes, de l'ail. C'est quoi les feuilles vertes? De la laitue et des pommes de terre et des petits pois. Et c'est une recette ch'ti? Oui. Voilà, c'est ce qu'on va manger ce soir en fait. Et on appelle ça un rata au petit pois. un rata quoi? Au petit pois. Là, il y a mon bébé qui est en train de dormir. Ah mon amour, elle a chaud. Oh là là, elle ronronne mon cœur.
Voilà, donc on va manger. Donc, comme ma mère disait, c'est un rata de petits pois. On va se régaler. Bon appétit, mon amour. Merci, bon appétit. Hello tout le monde. Voilà, donc avec mon doudou, on va regarder la télé. Mon neveu est sur mon PC, il est en train de jouer à Terra. Voilà, donc je voulais mettre fin à ce vlog. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.